Bonjour tout le monde, enchantée, mon nom c'est Laetitia Bally, je suis la propriétaire de l'entreprise Balis et aujourd'hui je viens vous parler de la sortie de mon nouveau patron dans le cadre de ma collaboration avec Boutique Madeleine. Donc je vous présente la nouvelle sortie de mon patron Sacchak qu'on peut voir ici là. Dans le même patron, vous allez pouvoir retrouver quatre versions du sac Shack. C'est un sac feutré qui est tricoté avec la laine M boréale de chez Madeleine. C'est une laine qui est 100% vierge, donc elle est parfaite pour le feutrage. Ça se fait comme un charme. La première version, c'est un petit sac cadeau. C'est un sac que vous allez pouvoir utiliser pour remplacer vos emballages cadeaux habituels. Que ce soit pour un anniversaire, que ce soit pour Noël, profitez-en, tricotez un petit sac, ça va être personnalisé, la personne va pouvoir le garder après. Ça peut servir de petite pochette par la suite, donc c'est super mignon. La deuxième et la troisième version, vous pouvez les utiliser comme sac à main, mais moi je les ai faites avec une petite pensée pour toutes les tricoteuses de ce monde. Donc ils peuvent être utilisés comme sac à projet. Le petit, qui est la version 2, peut contenir environ un projet chaussette, un projet tuc. Donc, tout petit projet que vous avez va pouvoir rentrer dans la version 2 du sac Shack à projet. Sinon, si vous êtes en train de faire un chandail, un pull, un châle ou tout autre projet qui est un petit peu plus grand, je vous conseillerais de tricoter plutôt la version 3 qui est un petit peu plus large. La quatrième version que je vous propose, c'est le sac Shack à vin. Quand on est invité quelque part, je trouve que le meilleur cadeau d'hôte qu'on peut offrir, c'est une bonne bouteille de vin. Et je trouve qu'une manière de la rendre un petit peu plus particulière et un petit peu plus singulière, c'est de la mettre dans un joli sac Shack qui peut ensuite être conservé et réutilisé pour autre chose. J'espère que vous allez apprécier de tricoter une de ces versions-là ou encore toutes ces versions-là. Le patron est officiellement disponible sur mon site internet www.balis.ca ou encore sur le site internet de Madeleine www.madeleine.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et n'oubliez pas de mettre le hashtag SacChac sur les réseaux sociaux pour me montrer vos couleurs et vos versions. Au plaisir et bon tricot!